Le résumé de la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La période médinoise. La permission d'émigrer. Le messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah sur lui, donna la permission à ses compagnons d'émigrer à Médine. Ils quittèrent la Mecque en cachette par petits groupes. L'un des premiers à émigrer fut Abu Salama ibn Abd al-Asad al-Makhzoumi. Il est dit que le premier fut Mus'ab ibn Umayr. Les Ansar les accueillirent chez eux et l'islam se répandit à Médine. Puis le messager d'Allah reçut la permission d'émigrer à son tour. Il quitta la Mecque un lundi du mois de Rabi' al-Awwal. Il était alors âgé de 53 ans. Il fut accompagné par Abu Bakr al-Siddiq et Amir ibn Fuhayra, le servant d'Abu Bakr. Et leur guide était Abdullah ibn Uraiqat al-Layfi. Il se cacha dans la grotte de Thawr avec Abu Bakr pendant 3 jours, puis emprunta le chemin côtier. Son entrée à Médine. Il arriva à Médine le lundi 12 de Rabi' al-Awwal. Il s'installa tout d'abord à Quba, chez la tribu de Amr ibn Auf, et y resta 14 jours. La première mosquée en islam. Il y construisit la mosquée de Quba. Ibn Omar dit, le prophète se rendait à la mosquée de Quba chaque samedi, à pied ou sur sa monture. Il disait, une prière accomplie à la mosquée de Quba équivaut à une umrah. La construction de la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, quitta Quba sur le dos de sa chamelle. Les gens prenaient les brides de sa chamelle, espérant qu'il s'installe chez lui. Mais il disait, laissez-la, elle sait où elle doit s'arrêter. Elle s'agenouilla à l'endroit de la mosquée actuelle. Cet endroit était un enclos qui appartenait à 2 jeunes hommes de la tribu de Najjar, Sahl et Suhail. Il s'installa chez Abu Ayyub al-Ansari, puis construisit sa mosquée, aidé de ses compagnons, avec des branches de palmiers et des briques. Il construisit ensuite ses appartements et ceux de ses épouses autour de la mosquée. Le plus proche d'entre eux était celui de Aïcha. Après 7 mois passés chez Abu Ayyub, il s'installa dans ses appartements.